Ancien athlète paralympique, John McFaul a été amputé après un accident de moto. Recruté en 2023 par l'Agence spatiale européenne, il est le premier parastronaute de l'histoire. Mais sa prothèse de jambe inquiète. Pourrait-elle émettre des gaz toxiques dans la Station spatiale internationale? L'embout est constitué de fibres de carbone, elles-mêmes composées d'une mousse fabriquée à partir de polymères, qui continue à dégager des gaz même à dose infime. Quel risque dans un espace clos où l'air est recyclé en permanence? Une étude va être menée par l'ESA, qui en profitera pour analyser la façon dont une station spatiale doit être adaptée pour accueillir un astronaute en situation de handicap. Ces conclusions sont attendues en 2025, qui promettent des réponses inédites pour la science spatiale, article complet sur handicap.fr.